Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du jour. Oui, oui, c'est tous les jours, oui, bah on est comme ça. Petit déballage aujourd'hui, alors j'ai bien teasé, là vous. Alors, on est, je vous rappelle, tous les enregistrements sont faits la veille sur Twitch à 10h du matin. Donc là, on est actuellement pas mal de personnes. On a 11 personnes qui sont quand même là en ligne pour partager un peu ce déballage avec nous, pour profiter de ces box. Ceux qui sont sur YouTube auront vu la vignette. Il y avait du boulot dans la vignette, hein. Il y avait du bitch to click quand même, enfin du putaclic, voilà, dans la vignette. J'ai essayé de faire un truc bien. Je crois que je l'ai déjà mis sur Instagram et je sais plus où je l'ai mis, mais enfin bon, c'est pas vraiment grave. Voilà. Allez, aujourd'hui, on parle d'une mystery box. Je rappelle, les fabricants nous envoient des produits. Soit ils veulent juste un déballage, soit ils veulent une review. Et dans ce cas, dans tous les cas, on garde un peu la surprise. On déballe un peu les produits ensemble. À savoir que ça, c'est une nouvelle marque qui nous avait jamais contacté, qui propose un produit. Alors médical, alors certains vont me dire c'est pas, mais si, c'est pour moi c'est médical, après vous m'expliquerez le nom. L'intérêt c'est que ils m'ont fait un mec, c'est un nouveau produit qui a gagné les prix, tous les prix internationaux qu'il devait gagner, qu'il est CE, voilà, et que ça peut vous intéresser. Donc cette vidéo sera en uncut sur Twitch, le lien sera dans la description sur YouTube si vous voulez aller la voir. Alors, vous pourrez aller sur Twitch, il y aura avant l'enregistrement, on discute un peu, on rigole et on parle de Bernard Minet. Après, on lance l'enregistrement comme ça ici. Peut-être il sera coupé, peut-être pas. On verra si c'est chiant ou pas. Et après, l'enregistrement, on arrête et on finit en chat avec ceux qui sont là. Ils ont des questions ou des remarques. Bon, alors à chaque fois, je demande bien de m'envoyer des petits cadeaux quand même, un petit peu. Mais bon, à chaque fois, j'ai bien l'impression que on me dit ouais, la marmotte, ouais. les Chinois connaissent la marmotte aussi. Ils font, des petits cadeaux. Ouais, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire un unboxing où il y a un produit, certes à promouvoir peut-être, mais dans lequel il y a aussi des petits cadeaux, tu vois. Ouais. Là, le truc, il est sous cellophane, je peux dire les cadeaux dans mon imagination. Je t'ai vu venir, hein, cocotte. Je ferai une... Ok, bon, allez, on y va. Le produit, c'est la marque Mouno. Voilà, c'est pas moi qui choisis les noms. C'est... Alors, c'est pas marqué. C'est un... Tu vas voir. Il va y arriver. Il y arrive. Je... Oh oui. Oh, c'est un peu... après le ASMR, le SM... c'est sa mère. Non. Après le moment ASMR du déballage, je vais pas arriver à l'ouvrir sa mère. Ouais, ça marche aussi. Ça marche. Ouf. Ah, ça sent la petite chinoise. Oh, non, rien du tout. Ça sent le... Ça sent. Est-ce que tu le sens? Voilà. Bon, on va mettre ça là. Bon. Oui, mais monsieur, j'ai habité en Chine pendant 5 ans. Moi, je sais. Peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Quick Start Game, ok. User Manual, ça, on lit jamais, on s'en fout. Personne ne lit le User Manual. Ok, manuel. Merci d'avoir acheté. Manuel. Bon, c'est un... Oui. Oui, tu l'as remarqué, c'est un capteur de pression artérielle pour avoir la tension. Truc de dingue. Alors, il y a un boîtier ici. Truc de fou. Et il y en a le truc pour se mettre autour du bras ici. C'est fou, hein. Il y a un petit câble USB, micro USB, USB-C. C'est un câble USB-C, pas mal, ok. Et là, il y a une petite pochette, incroyable. Pas mal. Bon, on va mettre ça là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, c'est mon téléphone. Rien de grave, il y a le nouveau qui arrive. Chut, dit-il. Non, au mois de janvier, elle m'a dit Nubia Red Magic 7 arrive. Alors, comment ça peut marcher, cette histoire? Alors, il y a un autocollant. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon. The first time, please press the stand up stop to more. Stand up stop, il est là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il y a quoi? Initialise le tube. Ok, ça c'est bon. Là, il y a quoi? For the first time, ok. Et voice bouton. Ok, d'accord. Ça va pas être très compliqué. Ensuite. Voilà des vidéos correspondantes. Mais non, l'autre techno là qui se met en route. C'est Siri, vous inquiétez pas. Waouh! Regarde ça. Papa, il va pouvoir jouer au docteur ce week-end. Vous, je sais pas, mais moi, je peux en jouer au docteur. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, on le met down. Ah oui, up, down. Oui, c'est bien ça. Ah oui, d'accord, il y a bien le... Bah écoute, va falloir, on va aller au fond du dossier. Hein. Oh la vache! C'est pour... Bonjour madame, c'est pour mon Covid. Putain, il faut avoir des bras de fou. Voilà, on met là-dessus, ok. Ensuite, on reste appuyé sur le bouton. On essaye, hein.
ça va me péter à la gueule, ouais. Alors, ah oui, je peux mettre ma main dessus. Alors, nanana, braque. Oula, oula, merde, j'ai appuyé trop vite là. C'est un truc de dingue. Waouh. Avec le chat. C'est dingue, hein. Ah, par contre, attends, je crois que c'est en train de se bloquer là. Non, je déconne. T'as ça. T'as mes buts. Systolic pressure 135 millimeter of mercury pillar, diastolic pressure 91 millimeter of mercury pillar, the pulse 84. Incroyable. Beats per minute. The measurement results is hypertension stage 1. Thank you. Waouh, tout ça. Alors après, je sais pas s'il y a des spécialistes, je suis en bonne santé ou pas. Alors là, elle est en anglais. Alors attention, il y a une application aussi. Start, stop, ok. Là, c'est la voix. Voice off, voice on. Je reste appuyé dessus, ça va changer. User 2. Ah. Get test data will not be saved. User 1. Ok, donc là, on peut... bah, tu vois, j'ai appris un truc. On peut changer les utilisateurs. Alors, je vous fais voir un peu sur le site avant de mettre l'application, hein, histoire de prendre un peu de temps. Alors, sur le site, ce qui nous était promis, je vous fais voir un peu ici. Alors, le premier moniteur de pression artérielle au monde au repos. Bon, ça c'est traduit avec Google, hein, d'accord. J'ai mis clic droit, traduction. Ok, à rembourser le prix. Donc là, c'est pour acheter maintenant. Livraison gratuite, remboursement garanti, garantie. Apporter de belles choses dans votre vie saine. Alors bon, il est clair que bon, moi je sais pas, normalement ça va. Tension, c'est bon. Mais si vous avez des problèmes de tension, c'est un appareil qui est, je peux dire qui est incroyable, mais je savais même pas que ça existait en modèle domestique. Tu vois, parce que c'est le genre de truc que tu peux acheter alors que t'as besoin d'aller à l'hôpital. Vous sentez toujours, les données sont exactes. Ok, donc ça c'est pas mal. Ok, donc là on met autour du bras, on appuie dessus. Alors, on a vu qu'on peut quand même mettre deux utilisateurs, voire un guest. Ça c'est sympa. Ici, hein, on va remettre la vidéo de démo. Nanana, ok. Moon, the first one. Donc ça on a fait, c'est bon. On l'a mis dans le on l'a mis dans le boule, le bouchon, c'est bon. Là on a fait la madame aussi. On a posé. J'aime bien le petit. Non, putain, j'ai appuyé dessus. Putain, arrête. Allez, encore de me refaire une prise, merde. Bon, c'est pas grave. Heureusement que ça me prend pas du sang à chaque fois. J'ai appuyé sur le bouton, faut faire attention. Sinon, ça va le faire... Voilà, donc là, on met press one pour opération. Donc là, j'ai bien vu. Sans technologie, putain, ça sert à fond. Faites la mesure, ok. Pose ta petite main là-dessus, ta petite main malade sur le petit coussin. Ça, c'est bien. Couleur dynamique, ah, pour savoir si t'es en bonne santé ou pas. Donc vert, ça doit être bien. Orange... Ouais, c'est orange, ça veut dire que ça doit pas être la fête, hein. ça veut dire que c'est pas... Jeter un coup d'œil, l'écran de couleur est plus pratique pour lire votre niveau de tension artérielle. C'est bon, c'est bon. Tais-toi. Voilà. Voilà. L'écran de couleur, ça c'est bon. Enregistrer, donc après on a l'application, ce qu'on va faire tout de suite, parce qu'apparemment avec l'application, eh ben, on peut avoir les informations et quelque part on peut les communiquer au docteur. Si toi t'es comme moi, tu comprends rien à tous ces chiffres là, eh ben, tu peux l'envoyer à ton docteur qui saura. Votre bras est toujours confortable, ça j'ai vu. Et voilà, donc le bout de pression et tout. Alors, si vous voulez savoir par exemple combien ça coûte avant de continuer l'application, par exemple, c'est combien dans le chien, un appareil 119 €. Alors, je mettrai le lien dans la description sur Twitch et je remettrai sur YouTube. Un appareil plus une jolie petite boîte, quand même, il aurait pu envoyer la boîte, c'est bon. Un truc, hein, pas 10 balles près, 1 balle en plus la boîte. Deux appareils plus deux boîtes, 230 € et uniquement la boîte 40 €. Ah ouais, ils se la gardent la boîte alors. Non, mais ils auraient pu m'envoyer la boîte gracieusement, on est d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va revenir là-dessus, puisque apparemment il y a possibilité de mettre une application Moon. Voilà, donc ça c'est bon. Ici, donc Bluetooth activé, GLG, pression artérielle. Attends, j'ai enlevé mes lunettes, que du coup j'y vois rien. Avec, tendance actuelle, ok, ça c'est bon. Ici, Bluetooth, autorisé. Donc là, il le cherche. À moins que ce soit lui déjà. Ah bah ouais, merde, c'était lui. Il était déjà au milieu depuis un petit moment. Ok, donc là, ils mettent bien. Consulter, soit prêt. Waouh, d'accord. Donc là, on retrouve bien. Alors, connecter la posture de Bluetooth. Ah oui, parce que j'étais peut-être pas non plus super détendu. Hein. Voilà, on peut mettre la main comme ça. Voilà, se détendre un peu et lancer l'application. Ici, rythme cardiaque. Waouh. Alors, ceux que ça intéresse, voilà, à peu près tout ce que vous allez avoir. Ici, la pression artérielle, normale. Santé, ici. Test de santé. Waouh. Ok, ça c'est bon. Soin, t'es un ami, ok. Et mien, donc ça c'est pour les informations. On peut mettre la langue. Ah, on peut mettre en français. Ok, peut-être elle va démarrer en français maintenant, tout compte fait. Ok, donc là on va remettre mien ici, mettre comme ça. You. La pression, j'arrive pas à fermer le bras. Langue français, guidée, réaction, page d'accueil.
Ok, alors on va en refaire un. Voilà, hop. Commencez à mesurer. Détendez-vous. Ah, ouais, elle parle français maintenant, cocotte. Donc d'où l'intérêt peut-être de mettre l'application et de pas s'énerver. C'est vrai, quand je fais les lives, j'essaie d'être un peu speed et énergique. Et malheureusement, ça doit jouer un peu sur ma tension. On va mettre ça comme ça. Oh la vache, 109, 114. Ouais, mais je suis stressé, hein. Et tension artérielle, pression systolique. 120 mm de pilier de mercure. D'accord. Pression diastolique. 4,28 mm d'accord. De pilier de mercure. 4,24 battements par minute. Les résultats de mesure est hypertension artérielle normale. Ah bah ça va alors, mais fait peur avec son truc d'orange là. Voilà, donc et vous voyez sur l'application, on a bien le nouveau graphe qui est mis là, et on retrouve bien toutes les informations. Alors évidemment, tous ceux qui sont concernés à mon avis par l'appareil vont trouver ces informations pertinentes, puis tous les autres comme moi vont lire ça en disant bon, on sait pas trop. Mais voilà, voilà ce que nous propose un peu la marque Moon. On va arrêter là l'enregistrement de cette vidéo pour la vidéo. On va continuer avec les Twitchers pour ceux qui sont en live. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là. Est-ce que ce produit, il est bien, trop bien, génial? C'est un produit qui est, comme c'est marqué sur le site, qui est le premier à passer la certification CE, pour de vrai. Donc c'est vraiment le site, un produit officiel avec certification CE et tout. C'est pas un jouet, voilà. C'est pas un jouet où ça te donne à peu près la tension et tout. Vous voyez, il a passé le Red Hot Award. Donc ça, c'est pour le design, le IFF machin et tout. C'est intéressant, c'est intéressant. Après, je suis pas la cible, malheureusement. Pas encore. Jour, donc en même temps je serai peut-être un jour la cible, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit là. Est-ce que c'est le genre de produit qui vous intéresse? Est-ce que c'est vraiment une boîte surprise? Oui, pour moi carrément. Et puis là on va continuer avec les Twitchers, on va reprendre le live. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit là. Si vous aimez ce genre de vidéo, petit pouce en l'air, vous mettez surtout un petit commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds et j'essaie de mettre des petits cœurs d'amour. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je donne rendez-vous. Alors là, cette vidéo pour YouTube, ça sera certainement la vidéo, elle tombera samedi, donc c'est jeudi sur Twitch. Vous voyez, il y a un gros décalage, mais voilà, vous aurez la version coupée, censurée, sans les bêtises. Non, je vais laisser les bêtises, mais je vais enlever les blancs et tout. Allez, je vous remercie de passer, pouce en l'air, partage, commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce produit-là. Moi, je suis très content, merci Mouno de m'avoir envoyé ce produit qui est malgré tout très intéressant, et je suis convaincu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se dire ça serait quand même bien d'avoir ça à la maison avec l'application, on peut envoyer au médecin et tout, il y a vraiment pas mal de données et tout, très étonnant. Voilà, allez, forcément je vous kiffe, bonne journée à tous, bye bye.